poste, matelot. Et préparez-vous à l'assaut. Le calmar géant attaque le sous-marin. Oh mon Dieu. Ah oui, ça te pendait au nez, mon gars. Fallait pas descendre 20 000 lieues sous les mers. Non, l'aventure, le mystère. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu humide comme coin, mais explorer le fin fond des océans et combattre des requins, des baleines, des créatures géantes avec plein de tentacules, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde? Garfield, est-ce que tu veux des beignets? Des beignets? Bonne réponse. À la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la fraise, à la groseille, à la myrtille, à l'abricot, à la pêche au raisin, à la crème pâtissière, au beurre, au sucre, au café, au citron. Je vais être légèrement en retard à la fête, Lise. Oui, d'accord. Mais il faut que je retourne acheter des beignets. Je sais, oui, je sais. Prenez garde, Bouffayon. Le calmar géant peut revenir d'une minute à l'autre. Un calmar géant? Oh, tu regardes 20 000 lieues sous les mers? Oui, et heureusement qu'il n'y a pas de calmar géant dans notre ville. Il y en a peut-être. Garfield! Certains scientifiques pensent que des pieuvres ou des calmars géants vivent sous nos pieds, dans les égouts. Des calmars géants dans les égouts? C'est impossible, voyons! On va se les partager. Alors, comme nous le savons, tous ces beignets sont composés de deux parties. La partie écœurante est pleine de gras avec la génoise et le nappage. Oh, et la partie délicieuse est très bonne pour la santé qu'on appelle généralement le trou. Parce que c'est toi, je veux bien prendre la partie écœurante et te laisser... Hey, attends, et ramène-moi mes beignets au chocolat, à la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la poisson, à la fraise, à la courgette, à la pâte. Bon, mes beignets à la... Apparemment, c'était mes beignets aux graines pour oiseaux. Reviens ici! Ils sont vraiment délicieux. Oh, pour la paix, je ne te dénoncerai pas au service sanitaire. Pas cette fois-ci, en tout cas. Par où est-ce qu'il est parti? Il m'en reste plus que 10 douzaines. Autant pour moi, 9 douzaines. Il faut à tout prix que je le retrouve avant qu'il ne me reste plus que les trous. Voleur de beignets! Vous croyez que c'était des sucres lents? Mes beignets à la framboise! Mes beignets à la crème! Mes beignets à... je ne sais pas quoi! Plus vite, petit, mes beignets! Mes beignets à la pomme! Mes beignets à la bouteille! On y est presque dit! Allez! Trop tard! Non! Je préfère pas regarder, c'est trop horrible! J'ai fait un malaise! Mon taux de sucre dans le sang est en chute libre! Non! Buddy, c'est ta faute tout ça!
Moi aussi? Si tu m'avais laissé manger tous les beignets, j'aurais pu les sauver de cette faim affreuse en les mangeant. Je devrais te jeter dans cet égout pour les récupérer. N'essaie pas de m'avoir par les sentiments, ça prend pas. Que veux-tu que ça me fasse qu'un calmar géant tente de t'entraîner avec lui dans les égouts? J'ai perdu mes beignets! Je reviendrai te sauver. Je vais trouver un moyen de te sortir de là. N'aie pas peur, je t'abandonnerai pas. Pendant que t'es là-dedans, ouvre l'œil et essaie de retrouver mes beignets, hein. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Il faut que je descende pour le sauver. Si je suis pas remonté d'ici la fin de l'épisode, j'ai été ravi de vous connaître. Oh, je ferais mieux de regarder où je vais. J'ai pas envie de tomber dans le... Bon, ça c'est fait. Odie! 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 Il n'est pas par ici. Il n'est pas par là. Et en fait, il n'est nulle part. Je ne reverrai plus jamais mon vieil ami Odie. C'est dommage, il était tellement gentil. Il bavait un peu trop, mais il était gentil. Oui, c'est pourquoi. Un calmar géant vivant. Fait commis par cette horrible créature. Les autorités font tout leur possible pour maîtriser la situation, mais malheureusement, personne ne semble être à l'abri de ces tentacules visqueux. Lors de sa ronde, un égoutier aurait vu le calmar géant s'emparer d'un gros chat orange et d'un... On dirait qu'Odie va lui servir de dîner et moi de dessert. Quelle ironie! Voilà que je retrouve mes beignets. Mes beignets? Hé mon gros, j'ai quelque chose pour toi. Goûte-moi ça. Tu devrais aussi goûter ça au chocolat, à la cannelle, à la crème pâtissière, au sirop d'érable, à la fraise et... Il aime ça. Je sais bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Allons ouvrir cette valve.
Oui, mais donne-moi un coup de patte. Ni mon beignet au chocolat, ni mon beignet à la fraise, ni celui au sucre glace, ou au sirop d'érable, ou à la pomme.